le dribble de Johan Wissa. Ils sont partis vers l'avant pour tout renverser dans ce match. Mais Schalke, oh, c'est sauvé de justesse. C'est une rencontre qui s'est jouée aux allures de la température qui a caractérisé San Pedro dans la soirée de ce dimanche. Prise au piège par les Lions d'Atlas de la 6e minute de la partie, c'est dans le dernier quart d'heure de ce match que les Léopards de la République démocratique du Congo reviendront au score par le truchement de Silas Katumpa après le pénalty manqué par Cédric Bakambu. Maroc, c'était l'équipe qui était favorite dans notre poule, donc il était question de gagner, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je vous dis franchement, avec ce que la RDC a proposé, avec au moins de l'intensité qu'on venait de le dire, on a vu quand même un autre visage du Congo. Le Maroc n'a pas une histoire en Afrique, parce que je vous rappelle que le Maroc n'a qu'une seule Coupe d'Afrique des Nations remportée dans les années 90. Le Maroc a joué la dernière fois une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça remonte de 20 ans depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2004 en Tunisie. Donc ça prouve à suffisance qu'ils sont aussi novices dans cette compétition. Ils ne sont pas plus expérimentés que nous. La prestation des Fauves Congolais face aux favoris de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations reste encore d'ailleurs. Les amoureux du football congolais souhaitent que le sélectionneur manager Sébastien Desabre puisse s'appuyer sur les jeunes joueurs lors de la 3e journée. La première des choses, il faudra au moins garder les mêmes ossatures qui a débuté les matchs passés, mais attention, il faudra au moins faire aussi la rotation parce qu'il y a des jeunes joueurs qui sont remplis de talents, qui sont également impatients parce qu'ils jouent leur première compétition internationale. Donc les joueurs du genre Simon Banza, Fiston Maïdé, Ilia Michak, Silas Katumpa, vous avez vu vous-même hier lors de leur entrée, ils ont essayé de changer les matchs. Les premiers a donné la passe décisive, le deuxième a marqué les buts égalisateurs. Donc ça prouve à suffisance que les garçons là sont préparés mentalement pour pouvoir aussi saisir leur chance et gagner le match. La RDC joue pour sa qualification ce mercredi 24 janvier face à la Tanzanie. Le Maroc croisera quant à lui la Zambie. Par ailleurs, aucune nation n'a déjà composté son ticket pour le prochain tour. Tout se jouera donc lors de la dernière journée.